Shalom, shalom, peuple de Dieu. Bonsoir, bonsoir, Bam Zambé. Nous vous bénissons tous dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, nous sommes déjà en direct et sur notre chaîne de télévision WEMA Miracle TV, WENA Miracle TV. Nous sommes déjà en direct à partir de Londres et nous vous bénissons dans le précieux et divin nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes aujourd'hui vendredi 13 mai 2022 et comme prévu, nous sommes toujours là pour prier, pour intercéder, pour soutenir une famille quelque part, pour réconforter une âme malade, contrée, abattue et pour amener le réconfort dans la vie des enfants de Dieu. C'est votre humble serviteur, le révérend prince Lomeka. Et nous allons vous bénir ce soir, je le crois de tout mon cœur, que la présence du Très-Haut est avec nous. Son glorieux est ici, sa main puissante est là, et nous allons tous être bénis ce soir, et que la gloire lui sera rendue. Dans le glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous prions que ces messages te bénissent maintenant. Nous libérons l'onction de la parole de Dieu. Que des multitudes de familles entendent la voix de leur maître. Comme le curseur déjà est en train de circuler dans le monde entier. Et le curseur déjà est ici maintenant pour annoncer ces messages puissants de l'Évangile. Seigneur, merci parce que tu es avec nous. Conduis ce temps et bénis ton serviteur au nom de Jésus. Ainsi nous avons prié et nous te disons merci Seigneur. Amen. Voilà, nous sommes déjà en direct, les amis. Nous allons prendre nos Bibles. Nous allons intercéder. Nous allons prier. Et nous allons libérer la faveur, la grâce de Dieu dans nos vies. Aujourd'hui, les questions sont traitées avec l'homme fort. Je disais traiter avec l'homme fort et c'est le sujet que j'aimerais partager avec toi ce soir. Qui est l'homme fort en question? L'homme fort wana azali nani. Et je vais te donner quelques points essentiels afin de pouvoir comprendre le message en donnant une description facile à ce qui concerne l'homme fort. Moto ya makasi wana ya zanani. L'homme fort, d'abord, il est le contrôleur d'un groupe d'esprits maléfiques. Aza le contrôleur d'un groupe d'esprits maléfiques, diaboliques et sataniques. Donc, c'est lui qui contrôle ce groupe-là, d'esprits maléfiques. Il y a un homme fort. Il y a un groupe des esprits maléfiques. Ils sont contrôlés par lui. Donc, c'est lui qui donne des ordres. C'est lui qui est le commanditeur. C'est lui qui dirige ce groupe d'esprits maléfiques. Et très souvent, il y a ma mission pour causer des dégâts, des chaos dans la carte de ma famille. Il y a ma mission pour détruire ma vie des humains. Mais ce soir, tu auras la connaissance de cet homme fort et nous allons faire face contre ses astuces, ses actions, ses œuvres. Nous allons libérer la grâce du Père dans vos vies et nous allons mettre en défaillance ses actions dans le glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Deuxième point, l'homme fort en question, c'est l'esprit régnant sur un groupe d'esprits mauvais. C'est un esprit où ils ont régné. C'est un groupe d'esprits mauvais. D'abord, premièrement, je disais, le contrôleur d'un groupe d'esprits mauvais. Donc, contrôleur, pas contrôleur avant. Groupe d'esprits mauvais. Et deuxième point, c'est l'esprit régnant. Ici, Azu forme Moussoussou. Azu connotation Moussoussou. Donc, un esprit régnant sur un groupe d'esprits mauvais. Donc, Azu régné, na groupe d'esprits mauvais. C'est lui qui règne.
Elles ont régné comment? Elles ont régné quand ils envoient cet esprit-là. Ce groupe de démons-là en question a Tindi, dans Katamokini, dans ma nation, dans ma continent, dans ma pays, dans ma ville, dans ma quartier, dans ma localité, dans ma cité, dans des maisons et dans la vie des individus. Donc, comme il est un esprit régnant sur un groupe d'esprits mauvais, donc, Azor régné, quand il envoie, quand il est là, à tirer ma esprit naïe, groupe d'esprit naïe, dans la nation, dans le continent où on va travailler, pour naïe, dans le pays où on a, dans la ville où on a, dans ma cité où on a, dans ma quartier, dans ma localité où on a, comme aussi dans des familles, dans des maisons, et particulièrement dans la vie des enfants de Dieu. La créature en Zambie. Alors, ces groupes-là, mauvais esprits, diaboliques, ils ont régné sur Bango. Donc, quand je dis ils règnent sur Bango, ils ont un mot, ils ont une autorité, pouvoir sur Bango, sur la Bible, beaucoup de gens ont été déplacés. Et là, quand les esprits mauvais arrivent, leur travail est comment? Parce que dompter esprit, régner sur moto wana ba comment ko dominer sur famille wana sous contrôle naye sous règne naye dans notre terme les esprits mauvais là comme lui il règne sur un groupe des esprits mauvais par exemple émissaire naye ba envoyé naye il y a des autres dirigés bango azo régner c'est lui l'homme fort. Et troisième point, je dirais, c'est ça avant de prier. Qui est cet homme fort-là? Homme fort-là? Azanan. L'homme fort, c'est la source d'alimentation et l'influence dominante dans une situation particulière. Donc, la source d'alimentation, c'est quoi alimenter la misère, quoi activer le malheur. Donc, source alimentation et influence dominante dans une situation particulière dans ta vie à moto, dans ta nation. Je peux prendre le cas à Est et à Congo. Alors, Est et à Congo, source wana déjà. Malheur wana. Alors, source et alimentation, il y a un problème. Ils ont récurrent toujours sur la tête à Congo. Ils ont influence moko dominante. Donc, quelque part, il y a source Isali. Ma communauté, il y a situation, il y a Est à Congo, Bazali. Ils ont dirigé Est et en Congo sous un groupe d'armées. Un exemple que je donne, je peux dire. Alors, ma groupe d'armées, Wana, ne Bazali, contrôlé maintenant sous. Un filet aussi à homme fort. Donc, source à malheur ou un, source à souffrance ou un, source à passion ou un, à problème ou un, les gens sont en train d'endurer dans leur vie. Ils ont influence dominante, comme je disais tout à l'heure aussi, dans une situation particulière, à cause de la maladie, à cause de la chômage, à cause de la stérilité, moko. Au salam abîme mon côté. Mais sous cette stérilité, wana. Sous cette maladie, wana. Et quand vous appelez maladie, moko, oyo, vous avez dit non. Et cette maladie, moko, incurable. Vous pouvez en route, vous pouvez travailler, vous pouvez dire que c'est en route. Les médecins, ils travaillent, ils font tout pour que ça soit guéri, mais ils vont te dire que non, mais écoute, vous comprendre, tu sais. Maintenant, on dirait ça, vous pouvez dire. C'est mon numéro spirituel. Donc, lui, il est la source maintenant parfois. Il y a souffrance moko particulière dans ta vie, dans ta nation, dans ta quartier. Alors, influence au niveau de Panaye. Et cette influence-là, dans cette situation-là particulière, on s'est retrouvé, on s'est sorti quand on a monté. Alors, lui, il est toujours là, l'homme fort. Sous sa malheur mingi, ma lèvre mingi, ma souffrance mingi.
Alors, ma source mise à souffrance. Et ça, mes filières sataniques et diaboliques. Donc, l'homme fort est là. Abénier, l'homme fort. Azama Kassi. C'est un esprit à contrôler un groupe d'esprits mauvais. Ils ont régné sur ce groupe-là comme étant leur leader. Ils ont la source d'alimentation et l'influence dominante dans cette situation particulière. Ils ont de la ponaïo. Ils ont de la ponaïo. Ils ont la délivrance. Ils ont la délivrance. Ils ont la délivrance. Kanayoana est comme un kamoko difficile. Alors, souvent, et très souvent, il faut maintenant entrer dans cette dimension spirituelle. Dans la troisième dimension, il y a Christ avec ses disciples montés à la transfiguration. Il faut comprendre les souffrances. Ils ont été la révélation si cet homme est fort. Ils ont dompté. Ils ont régné sur eux, à combat, à piller à vie. Quatrième point, il est le démon dominant. Donc, il y a un démon dominant. Ils ont dominé sur ta vie. Ils ont dominé sur ton esprit. Ils dominent sur ton corps. Ils ont dominé sur ta maison. Ils ont dominé sur finances. Ils ont dominé sur poche. Ils ont dominé sur mariage. Homme fort. Alors, tous ces éléments que je vous donne, pourquoi? Parce que je vais vous amener quelque part pour comprendre les conséquences de votre travail à homme fort et sur ces groupes de démons où ils ont dirigé, où ils ont contrôlé. Homme fort, c'est qui? C'est les gardiens des prisons du diable. Alors, les gardiens de la prison à Satan. Aussi, le diable a été saisi aujourd'hui. À Kangi Olelo, gardien Zali, il est homme fort. Donc, au Bimati, il n'y a pas de pitié à la Kati. En Bengao, jamais la table de négociation, on négocie naïe, que non, tu vois, il faut me payer autant, on a libéré, il faut que tu puisses dire ça, informer à ta famille, parfaitement peut-être autant de sous. Non, lui, ne paye jamais t'appeler à nos 15 jours. Sur la table de la négociation, bon négocier, bon joueur, solution. Alors, ben à côté, les gardiens des prisons de l'ennemi. A ben dit les gardiens des prisons du diable. Alors, soudain, quand il vit, il n'y a pas dans la jambe. Quand il vit, na yo, avec ses démons. Donc, au compte de ta prison, celui qui est le gardien maintenant à prison, on a obimaté. Alors, avant de prier, la racine principale ou le pouvoir dynamisant une activité. Alors, les racines principales, le pouvoir aujourd'hui dynamiser une activité dans la vie des enfants de Dieu. Elles ont dynamisé l'activité au sacramenté. Elles ont dynamisé l'activité de la famille, la pauvreté, l'échec, la maladie. Elles ont dynamiser ma activité à souffrance à Nenga Nenga. Azo dynamiser ma malheur, ma passion à Nenga Nenga. Azo dynamiser toujours ma problème. Wana yo kotne koya. Alingite problème wana esi la. Alingite malheur wana ekite yo. Alingite souffrance wana ekite yo. Alingite problème wana souffrance etiki mayo. Alingite yo zwa de revanche. Azo dynamiser toujours. Activité par rapport à pouvoir à Zanayango. Pour que ça toujours sous contrôle naïe. On a toujours sous force naïe. Alors maintenant, quand il fait cela, qu'est-ce que le diable, qu'est-ce que l'homme fort attend de toi? T'attends ma cambo et sème la catavinaï. D'abord, il est le général, le commandant de l'armée du mal. Aza, général, commandant de l'armée du mal. L'armée va frapper du mal. Des dégâts va causer des dégâts dans le monde entier. C'est le général de l'armée du mal. C'est lui qui donne des ordres. Va exterminer, va causer des chaos, va créer des érosions,
pas qu'il y a souffrance, pas qu'il y a problème avec la humanité. Il est le commandant de l'armée du mal. Il est aussi le sergent-major spirituel appelant des ordres maléfiques. Le sergent-major, ils ont bien les ordres spirituels maléfiques dans le cadre de la vie. Alors, quand toutes ces choses se passent dans ta vie, tant qu'on remarque que ma camo est dans la carte de ma vie, rien ne marche dans ta vie. Ma camo est aussi matin. Tant qu'on remarque que ta vie est bloquée quelque part. Tant qu'on remarque que finance naïo, santé naïo, projet naïo, famille naïo, tes enfants, ton entourage, ta famille, tes parents, tes frères, tes soeurs, les choses ne marchent plus. Tant qu'on sait analyse pour yo, on comprend que non. Ma progrès à mon qui est la carte à vue d'ailleurs. Tant remarqué que ma progrès à mon qui on travaillait dur, mais ma progrès à mon qui on a travaillé beaucoup, mais pas de progrès. On remarqué que il y a toujours cette chaîne là de problèmes, les petits sont ma problème. Chaîne est ma problème, chaîne est ma problème, chaîne est ma problème. La carte à vue d'ailleurs. Tant remarqué, chaîne est ma problème toujours. Et quand moi ici, monsieur Bakissan, et quand moi monsieur ici, monsieur Bandi, et quand moi ici, monsieur Evu Makolo Moussoussou, ça veut dire que l'homme est fort à le contrôler. Ça veut dire que le chef-là, il est toujours là. Le chef de général de l'armée du mal est toujours là. Donc, chaîne à problème, et ça veut dire que l'homme est fort à sécurité, c'est lui qui est le commanditaire, la source de l'activité, et donc financé dans le mal. Et nous allons parler encore à ce qui concerne. Aujourd'hui, on est dans Zambé, mais tu sens comme que la prière nous a la carte, résistance à la prière. Résistance, c'est Zahir. Aujourd'hui, on est dans Zambé, mais tu sens comme une résistance quelque part. Ça veut dire qu'elle doit résister. Quand lui, il vient avec toute son armée, ses groupes-là mauvais, du mal, il va frapper des nuits. Quand tu pries, tu fais des jeunes prières, ils te résistent toujours. Elle doit résister. C'est une armée. C'est une armée Oyo. Besoin de la guerre contre les mamans. Vous lancez des flèches, des balles, et lui aussi, il vous envoie des choses impossibles. Donc, la résistance est toujours là. Donc, quand tu fais l'analyse de toutes ces choses, et tu arrives à marquer contre ta vie, il y a une résistance quelque part. Et là, tu dois maintenant t'engager dans ta vie. La prière, mon corps, est intensive, sérieuse, précise, pour renverser l'activité à homme fort dans ta vie, au nom glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas remarquer aussi qu'il y a des erreurs, mon corps, impardonnables dans ta vie. Il y a des erreurs, mon corps, impardonnables. C'est une erreur, mon corps, qui va pardonner aussi. Mais finance mon corps, source d'un goût, c'est lui-là. Il est là. L'homme fort. Donc, ma rêve est allée, mais comme ma rêve est impardonnable. Dans la société, dans la communauté, dans la ville où tu te trouves parfois, dans le quartier, dans la famille, tu as des erreurs impardonnables. Donc, lui ne te pardonne pas. Donc, l'homme fort, hasard, il est contrôlé, il règne. Donc, racine mal de nos soins, c'est lui, l'homme fort. C'est un esprit, c'est un démon qui domine les esprits facilement. Lui, quand il vient, il te domine facilement, easily. Azo régné sur yo, a dominé sur yo facilement. Donc, azo n'a voies et moyens pour à régner, à dominer sur yo facilement. Rien ne va dans ta vie. Rien ne marche dans ta vie. Et quand il est là, l'augmenté de marche dans ta vie. Rien ne va, rien ne marche dans ta vie. Parce que lui, il contrôle toutes les choses. Rien ne marche. Ils ont planté, mais ils ont recueilli. Ils ont planté, belé. Ils ont l'on et belé, mais ils ont boucamouké. Ils ont travaillé dur, mais ils ont boucamouké. Et quand tu es allé mouké, lui, il est là, il ne veut pas que toi, tu puisses être épanoui. Alors,
est devenu problème. Parce que l'homme fort est là. Le mal règne, problème n'yonso. Et tikala, tel que sans remède, mon miracle. Sans remède, mon il y a solution. Là, je te donne un verset avant de prier. Je te donne un verset rapidement. Prenons exemple à David. David était entouré avec ses ennemis. David, il dit ceci, chapitre 56. David était saisi par ses ennemis. Lorsque les Philistins les saisirent à Gath, David était saisi par les Philistins à Gath. Comment dit David? Il fallait maintenant que David a signé une intervention de la part du Seigneur. A signé une miséricorde de Moko recherché. A signé une miséricorde de Yanzam le Katavinaye. Parce que persécution qui m'a cassé vis-à-vis de ma ennemi naïe, donc ma Philistère, ma Kaïdé na Gath. Donc, comment il fait saisir à Gath par les Philistins? Quant à lui, David, il connaissait le Dieu qui servait, qui il avait choisi pour toute sa vie. Aïbakin Zambéwana. Comment Aïbakin Zambéwana? Il dit ceci. Tous les jours, ils me font la guerre. Ils me pressent. Tous les jours. Donc, on me fait au hasard, non? Ma Philistère, mes ennemis d'ailleurs. Tous les jours, ils me font la guerre. Ils ont pressé. Tous les jours, mes détracteurs me harcèlent. Ils sont nombreux, ils me font la guerre. Dieu suprême. Ma détracteur n'aïe pas à l'heure. Tous les jours, vous avez dit, vous savez, la guerre. Tous les jours. Mais lui, il invoque son Dieu. Ami, tous les jours, mes détracteurs sont là. Mais harcèlent. Vous allez quoi? Accélérer. Il dit, ils sont nombreux, vous avez dit, mais oh Dieu suprême, le jour où je suis dans la crainte, et en toi je me confie. Amen. Le jour où je suis dans la crainte, t'as raison, bang à ma persécuteur naïe, ma détracteur naïe, ma milice naïe, ma ennemi naïe. Amen. Le jour où je suis dans la crainte, c'est en toi que je me confie. Azo bang à te, ce cas où qui bang à côté de naïe, amen. C'est en toi que je me confie. Donc, Azui, le Dieu comme son appui. Azui, Zambé comme appui naïe. Azui, Zambé comme étant rempart naïe. Azui, Zambé comme étant forteresse naïe. Azui, Zambé comme étant son abri. Le jour où je suis dans la crainte, c'est en toi que je me confie. Ils n'ont pas une autre chose. Ici, il fait la démonstration pour nous montrer la communion qu'il avait. Cette intimité avec qui nous avons ensemble. De Dieu, je loue la parole. En Dieu, je me confie, je ne crains rien que peine me faire des hommes. Donc, il cesse de saisir maintenant. Je ne crains rien. Je ne crains rien que peine me faire des hommes. Je ne crains rien que peine me faire des hommes. Qui peut me faire des hommes? Baza bata mokili. Baza miloko mokili. Donc, ça, la nanini. Donc, David a comprendre la main de Dieu qui les saisisse, à comprendre la souveraineté glorieuse du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pendant que ma Philistère va saisir la gâte, va entourer la gâte. Tous les jours, il me tourmente en parole. Ils n'ont à mon égard que de mauvaises pensées. C'est ça le travail à homme fort. Donc, il m'a dit qu'il y a une calmeté. Il m'a dit qu'il y a une liberté. Il m'a dit qu'il y a une hauteur de la libre. C'est soit je prie dans le glorieux nom de Jésus-Christ de Nazareth pour voir ma Isa neutraliser, pour voir un homme fort. Ils ont abattu, ils ont tombé en défaillance dans le glorieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, 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 alléluia. Après, je vais vérifier rapidement le son. Je crois que le son est là.
sont là. En fait, ici, je n'ai pas de notion de patina. Excuse. Ils sont faux. Ils sont là. Non, les sons sont là. Désactiver les sons là. C'est bon. Alléluia, alléluia, alléluia. Merci Jésus, et qui veut nous célébrer, qui n'est pas là. Hein? Parce que le son est là, non? Si le son n'est pas là, là, je vais dans le désert. Hein? Le son est là, je m'excuse pour les interruptions. Alors, voilà, les amis. Donc, je disais ceci. David avait compris ses secrets. Le verset 10, c'est pas là, je vais terminer avant de prier. Alors, mes ennemis, reculent au jour où j'écris. Mes ennemis reculent le jour où j'écris. Je reconnais que Dieu est pour moi. Parce que son assiement, le jour où j'écris, ce soir, je prie avec toi. Le jour où tu cries à Dieu, c'est aujourd'hui. Mon collège au Bélanzambé, Zali est là. Parce que nous avons ensemble, si vous allez. Quelle que soit présence, un homme fort, activité, il y a contrôleur de groupe d'esprit maléfique, on va mettre un homme fort. Toujours neutralisé en haut. Toujours rendre en haut nul et sans effet dans ta vie. Au nom glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Lui qui est l'esprit régnant avec ses émissaires, lui qui fait les jeux de l'ennemi du serpent, lui qui interprète la pensée du diable, toujours condamner ensemble ses activités dans ta vie ce soir, dans le glorieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ma malheur a causé qu'à ta vie, ma maladie a causé qu'à ta vie, toujours se déplace maintenant dans le glorieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ma difficulté, nous allons pour lancer. D'accord, ta famille, d'ailleurs. Infidèle, ne soit malheur. Ma souci, ne soit problème, beaucoup de temps, mais en haut. Nous avons tari, il y a un mot de l'eau, tari.